précieuse du bois et exporter les céréales cultivées près du vide. Le transport était principalement maritime. Les navires marchands acheminaient surtout des céréales. Et il y avait une telle prolifération de rats que les chars protégeaient la cargaison et empêchaient les rongeurs de mordre les marins et de leur voler leur nourriture. C'était de véritables sentinelles. Les navires égyptiens, puis romains et vikings, les ont transportés aux quatre